L'issue sera la paix ou la guerre. Mais rien n'est acquis. Il faut attendre. Je déteste attendre. Tout est entre les mains de Dieu. Nous ne pouvons que prier et rendre grâce pour ce moment de repos. Les Bretons sont là. Le temps n'est plus à la prière. Par ici, près du Grand Chêne. Où est Childebert ? En tant que futur Eldorman, il faut qu'il assiste à ces discussions. Il est parti chasser. Le sanglier a-t-il dit. Cela fait déjà un moment, non ? On ne peut pas attendre. Il faut décider tout de suite de la paix. Dame Angarad, salutations. Nous venons parler de paix. Et nous sommes heureux de l'entendre. Mais où est ton grand roi ? Il est resté au château, sur mon ordre. Je craignais que sa présence n'enflamme cet égorgeur d'Ivar. Rodri est le roi des Bretons. Toutes les promesses de paix doivent venir de sa bouche. En toute chose, le roi et moi ne faisons qu'un. En tant que reine des Bretons, j'ai tout pouvoir pour parler au nom de mon époux et du peuple. Alors, nous acceptons ton autorité, honorable dame. Peut-être enfin allons-nous pouvoir mettre fin à cette guerre. Nos peuples ont assez souffert. Et que proposes-tu ? Nous allons retirer nos troupes sur la frontière ancestrale séparant nos contrées. Nous ne demandons que quelques jours pour rassembler nos biens et quitter la place de Kostow. En échange, vous vous engagez à faire cesser les hostilités dès cet instant. Ces termes sont généreux. Nous aurons une trêve. Parfait. Oui, sois cette issue rapide. Dieu te garde ainsi que ton roi, Dame Angarad. Je vous salue tous. Vous avez mené une belle guerre. Espérons que cette paix soit éternelle. Je n'en reviens pas, Eivor. Des années de meurtre et de tourments ont pris fin en un clin d'œil. Tu as emprunté un chemin bien ardu, évêque. Il faut annoncer la bonne nouvelle à Childebert. Lui diras-tu quand tu le verras ? Je pars à sa recherche. Dieu, où est Childebert ? Quelqu'un doit bien le savoir. Tu as vu Childebert ? Je ne prête pas attention aux allées et venues de l'Atling. Demande à quelqu'un d'autre. Je cherche Childebert. Est-ce que tu l'as vu ? La dernière fois que je l'ai vu, il a affûté des flèches. Ivar, c'est fait. La paix, hein ? Et maintenant, tout le monde se chie dessus de bonheur. Sinon de bonheur, du moins de soulagement. Tu as vu Childebert ? J'aimerais lui annoncer la bonne nouvelle. Il m'a demandé si je voulais aller chasser, mais je n'étais pas d'humeur. Salut à toi, Eivor. Est-ce que tu as vu Childebert ? C'est mon frère qui l'a vu en dernier. Aussi ivre qu'un maquereau, hein ? Il a fêté la paix et a commencé tôt. Réveille-toi ! Où est Childebert ? Childebert ? Aucun de vous ne l'a vu ou quoi ? Seulement lui, Drengr. Tu vas devoir attendre qu'il ait cuvé. Ça lui arrive souvent de s'enivrer comme ça ? Par tous les dieux, oui. Deux fois par semaine.
Une fois pour 3 jours, l'autre pour 4. Et 2 fois le dimanche. Et si tu as besoin qu'il dessoule, qu'est-ce que tu fais? Garde ça pour toi, mais lorsque j'avais vraiment besoin de lui, ça m'est arrivé de le jeter dans un lac. Ça vaut la peine d'essayer. Il doit bien y avoir un moyen de réveiller cet ivrogne. Par les dieux, qu'est-ce que tu fais? Je cherche Cheolbert, et tu sais où il est. Tu as une drôle de manière de chercher. Dis-moi simplement où il est, sinon tu sais ce qui t'attend. Si tu tiens à le savoir, ce gamin est parti chasser le sanglier il y a quelque temps. Oui, je sais, mais où est-ce qu'il est allé chasser? Au sud, c'est tout ce que je sais. Il a probablement longé le ruisseau au sud de la forêt. J'en sais assez pour continuer, merci. J'ai besoin de ta vue, mon ami. Ici, je le crois, les Néphilim ont disposé des pierres sacrées afin de protéger les possessions de Dieu contre d'autres géants. Ceux qui étaient présents ont été effrayés par des démons et Dieu a défendu les pieux en repoussant les géants. Il ne reste que ces résonances sacrées. L'œuvre des bonnes âmes qui ont la terre à cœur sera à jamais liée à nos ancêtres et notre Seigneur par l'intermédiaire de cette porte.
Sinine. Guide-moi, Sinine. Thank you.
Montre-moi. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ça ne me dit rien de bon. Maudit loup. Olbert. Par les larmes de Freya. Chez Olbert, tu es vivant. Je... Ne dis rien. Tu es gravement blessé. Un dragon sur le manche. Par les dieux. L'emblème des Bretons. Respire, petit. Ce ne sera plus très long. Je vais te ramener pour que tu puisses faire tes adieux. Je vais te ramener aux autres. J'irai doucement. Doucement. Garde tes forces.
Silence, Jolbert. Nous serons bientôt entre amis.